au vu de tout ce qu'il y a eu ces derniers temps, il est humain de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité? Ce n'est un secret pour personne, hein, que le rythme des cadences et l'intensité a augmenté dans notre sport. S'il s'avère qu'il y a un lien de causalité, on devra prendre nos responsabilités, assumer, expliquer et trouver des solutions. Autre réaction après ce drame, celle du neurochirurgien Jean Chazal, l'un des premiers à alerter sur ces commotions cérébrales, alors que les joueurs sont de plus en plus musclés et de plus en plus rapides. Pour lui, il faudrait calibrer les joueurs pour éviter les chocs entre des physiques trop différents, comme dit-il, dans la boxe, où l'on ne met pas un poids lourd face à un poids plume.